Jacques, bonjour. Bonjour. Alors après Cuba, après la marche pour Gaza avec la station au Caire, c'est maintenant de Barcelone que tu nous arrives. Tu peux nous dire un petit peu ce qui s'est passé là-bas, pourquoi tu étais là-bas? Écoute, j'ai été invité à Barcelone, c'est la première session internationale du tribunal Russell sur la Palestine. Qu'est-ce que c'est que ce tribunal? Ça a été inauguré par Russell, qui était prix Nobel de littérature et qui en 67 a eu l'idée de juger un peu des crimes de guerre, de la guerre du Vietnam. Et donc il a réuni des intellectuels, c'était Jean-Paul Sartre qui était le président du tribunal, et il a montré que la société civile condamnait les crimes qui s'opéraient au Vietnam. Et c'était un moment difficile pourtant de le faire. Eh bien, l'idée est venue l'année dernière, après cette agression israélienne à Gaza, que des personnalités puissent se réunir et faire un tribunal. Donc c'est une initiative de la société civile. Alors, des juristes de renommée internationale, il y avait des avocats importants. En France, il y avait Gisèle Halimi. C'est Stéphane Hessel qui est le président d'honneur de ce tribunal. Et donc, il y avait 12 jurés et des témoins qui venaient là-bas, des médecins, des avocats israéliens, palestiniens, des députés européens. C'était fort intéressant, des gens vraiment très documentés sur la Palestine et Israël. Donc le but, c'est de voir les violations du droit international et des droits humains par Israël sur les Palestiniens. Et alors ça a duré plusieurs jours. Ça a duré 2 jours et demi, c'était une première session, l'année prochaine ça sera à Londres. Ah, c'est pas fini. Et donc c'est l'Union européenne qui est malmenée là-dedans. Parce qu'il y a le commerce des armes, parce qu'il y a des accords privilégiés au plan commercial. Parce qu'on ne dit rien sur le rapport Goldstone, parce qu'on a une politique de complaisance par rapport à Israël. Et donc on se dit, ben, Israël profite de ce que l'Union européenne ne lui dit rien, et au contraire est d'accord avec elle pour continuer. Et la colonisation, et le boycott, etc. Donc c'est un tribunal qui va donner des conclusions et qui va un peu exciter, dans la mesure du possible, l'Union européenne en disant la société civile en a marre et des gens du droit, des gens qualifiés ont tenu une session et voilà ce qu'on a envie de vous dire. On verra. On verra. Alors, il y a prévu une deuxième session à Londres Au mois d'octobre l'année prochaine. au mois d'octobre l'année prochaine. Et donc c'est une grosse affaire quand même qui se met en marche. On était dans le célèbre collège des avocats et je peux dire qu'on était 300, plus de 300. Il y avait aussi pas mal de jeunes, ça m'a frappé, qui sont très très soucieux du peuple palestinien et de la justice. Donc on est intervenu au nom des droits humains qui sont bafoués. Eh bien, merci, et on Voilà. va se retrouver au mois d'octobre Merci. pour la prochaine session. Merci.